bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve sur un bien moche écran! Étant donné que l'action commence instantanément, évidemment bienvenue dans cet épisode 21 de God of War Ragnarok 4K 60 FPS, ne tardez pas! On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble, évidemment, on n'oublie pas le j'aime, on n'oublie pas le commentaire, ça fait toujours plaisir! Let's go, direct, j'appuie sur rond, ça va tabasser, let's go! Bah voilà, bah ça va littéralement me tabasser. Ok. Ok. Bon, les gars, bonne idée. Voilà. Parce que là, sinon, on va pas s'en sortir. Allez. Ok. Allez. On va faire par un. Ils sont trop forts. Ok. Oh la vache, j'ai oublié eux, j'avais tout à oublier. Ok, let's go, let's go, on va se prendre un petit peu de rage. Oh. Ok, on va devoir se concentrer. Je vous avoue avoir fait une pause de quelques jours, donc faut directement se mettre dans le bain. Et ça va pas poser de problème parce que je suis un putain de monstre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors quelqu'un a un problème ici? Rejoindre Sindri et trouver un moyen de sauver mon père. Et garder le secret sur le bois de fer et Angkor Vodha par-dessus le marché. Tant quoi je me suis fourré. Ouais, là on est dans un sacré caca. Retourner chez Sindri, évidemment. Comment on va y retourner tout seul? Oh là 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 là. Trop de questions, le doute m'habite. Je vous le dis, le chat, le doute m'habite. Bon. Comment on peut faire? J'en ai aucune idée. Sûrement par là, vas-y, suivre la lumière, on m'a toujours dit. Ok. On a quelque chose. Mais je crois qu'on est déjà venu là. Comment je suis censé aller chez Sindri, frérot? On n'a aucun sens. En passant par là, peut-être. Je ferais mieux de rentrer avant qu'il remarque mon absence. Mais non, mais je sais, j'ai bien compris, Atreus, mais... Ah non, je crois qu'il y avait un portail. Ok. Alors attendez, parce que je crois qu'il y avait un portail. Voilà, il est là-haut. Pas de soucis. Il est temps, parce que je rappelle qu'on a quitté le bois de fer. Il est temps de... retrouver papa, évidemment. On a vu une fresque. Je dois me taire sur tout ça. Moi, je pense qu'Atreus, tu devrais dire la vérité, mais enfin. Pourquoi pas? Ah! Quoi tu pensais? Je voulais aller voir Fenrir. Pendant deux jours? Je... Arrête de me mentir! Pourquoi je te trouve ici? Tout seul? Cherches-tu à mourir? Pas plus que toi. Pourquoi? Parle. Qu'est-ce que tu refuses de me dire? J'ai tenté de suivre cette voie avec toi. Nous nous plions à tes caprices. Mais tu crois à rien de tout ça. Et pourtant je te suis. Parce que tout ce qui compte, c'est que tu sois sauf. Mais c'est pas tout ce qui compte. Qui te protège, hein? Je n'ai pas besoin que tu me protèges. T'en es vraiment sûr? Qu'as-tu appris? Je peux pas t'en parler. Mais tu dois me faire confiance. Moi, malgré tes secrets, je te crois. Ce n'est pas pareil. Pourquoi? Tu cachais des choses. Mère cachait des choses, tu avais tes raisons, et moi aussi. Pourquoi tu ne veux pas... Ah! Ok, les gars. Let's fucking go! Papa est au tir! À gauche, mon frère! Oh là là! On va s'occuper d'eux déjà. Ok. Très bien. Très bien. Ça me plaît. Ouh. Ok, à toi maintenant. Non. Ah la vache. Beaucoup trop fort. C'est un gros coup. Ok, let's go. Allez! Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Ah! Oh putain, j'ai trop peur! Elle piétine de la gueule! Dégage, toi! Vous nous avez oubliés? On n'a encore jamais croisé cette Valkyrie. Comment le sais-tu? Elle a un corps matériel, mais elle est différente. Ce chien a fini par le faire. Je veux pas vous combattre! Ok. Ok, donc c'est une Valkyrie en mode tard l'époque.
Allez. J'en mets plein la gueule, hein. Et kiffe, j'espère. Ok. Nous avons déjà battu des Valkyries. Nous recommencerons. Toujours, toujours. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Elle est balèze, hein. Je la connais. Elle est infatigable. Ça le fait pas dire. Ok. Ok. Aïe. Non. Ok, ok, on change sa règle. Ok, y'a pas de soucis. Aïe. Mais là, avec ces conneries... Avec ces conneries, j'ai failli mourir, en fait. On l'a échappé, elle. Oh la vache. Bah oui, mais avec ces conneries, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci, moi, très très. Allez, ça tu peux rien faire. Allez, montage en l'air, rien à péter. Ok. Nos intentions sont bonnes. Pourquoi m'arracher ça? Pourquoi m'arracher ça? Poison, évitez-le. Ok, bien wesh. Ok. S'il vous plaît, arrêtez. Ok. Voilà. Encore. Je vais lui taper la gueule. Freya. Les agonies, toutes les atrocités imaginables. Atrice, c'est pas ce que tu veux. Calme-toi, contrôle-toi. Oh Mimir, le pauvre Miskin. C'était notre ami. Atreus. Atreus. Tu es blessé. Peut-être que pour l'instant, tu me seras plus utile. Votre Majesté, quel plaisir de vous revoir. Broadleifer. Et ne le quittez pas des yeux. J'ai compris, petit gars. Avance plus vite que ça. Que
Qu'est-ce que tu veux ? Je refuse de rester liée à ce royaume. Nous partons pour Vanheim. Bon, ben je crois qu'il n'y a plus que nous. Un passage pour Vanheim, c'est parti! Combat à domicile. Choisis fureur ou bravoure. La bravoure emploie la rage pour soigner plutôt que blesser. Sélectionnez votre usage de la rage à tout moment dans le menu armes. Comment voyageras-tu si tu es prisonnière? Jusqu'à ce que je trouve ce dont j'ai besoin, j'ai préparé un sortilège qui m'empêchera d'être attirée hors du royaume. De quoi s'agit-il? De la source de magie qui me lie à Midgard. Nous allons la trouver et la détruire. Je t'aiderai, mais cela ne changera rien à ce que j'ai fait. Je sais. Je déciderai de ton sort quand nous en aurons terminé. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg. Alors, moi je suis désolé, mais rage spartiate, c'est pas la bravoure. Rien à péter de la bravoure, les gars. Moi, c'est la fureur, frérot ! Je veux démonter tout le monde, mon ref, t'entends ? Rien à péter. Ta-ta-ta. Ok, superbe. Superbe. On est très, 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 très bien. Et là, j'ai de la compétence, me semble-t-il. Ouais, j'ai même beaucoup de compétences, là. J'aime bien. Ta-ta-ta. Mine 5, on prend. On prend. On peut pas prendre, si on peut prendre. Ok. Là, il y a pas mal de choses à débloquer. Bon, en vrai, on va prendre ça aussi. On a tout débloqué, les gars, on est bien, en vrai. Là, franchement, on est super bien. Hein. Bon, bah, écoutez, il y a Freya qui nous suit. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Ça risque d'être incroyable, la suite de notre folle aventure. Vous n'irez nulle part sans ça. Mais avant, je vais aller récupérer au qu'est-ce que vous feriez sans moi pour vous sauver les miches? Ok. On va aller au corbeau avant quand même, rien à péter. Alors. Mais non, je voulais pas aller là! Il m'a pas proposé le choix! Catastrophe. Et pourquoi as-tu besoin de Kratos, Altesse? Manifestement, tu as pu te défaire des malédictions d'Odin toute seule. Fimbulwetter avait affaibli les autres malédictions, et j'avais eu besoin d'aide pour les rompre. Celle-ci est puissante. Alors, tous ces efforts pour le tuer, c'était simplement un divin appel à l'aide? Je ne me rappelle pas t'avoir demandé de venir. Parce que tu l'as pas fait. Je comptais retrouver une vieille compagne de beuverie quand l'occasion de lever le coude se présenterait. Comme on va sûrement finir par se rendre au même endroit, autant vous filer un coup de main. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Eh ben, aux dernières nouvelles. Elle musardait avec le pencu qui te sert de frère. Frayeur n'a rien à voir avec ça. Ouais, c'est pas ce que me dit mon petit doigt. Ni mes baloches. Ok, on a fait trois fois le tour, la porte est là. Let's go! Je sens l'attraction du sort d'obédience. Sa source est un peu plus loin. Suivez-moi. Alors attends, Bibiche, avant de te suivre. Pire qu'un bourbier de Muspel, quelque chose m'interpelle. Et ça sent presque aussi bon. Ce les doit être à cause de Fimbulwetter. Mais si cela aide ces deux-là à faire la paix. Ce n'est qu'une alliance. Je peux pas y aller. Oh, j'ai le seum. Oh, je t'en prie. Tu sais bien que Kratos n'est pas la cause de tes souffrances. Vous êtes tous deux autant responsables de ma souffrance que quiconque. Oh, c'est magnifique encore. Hein. Ok. Hey, ok, ça en prend. Détendre l'atmosphère. Qu'est-ce qui coule à cause du froid? Facile. Un nez. Il va falloir trouver mieux que ça, Brock. Attends de voir, gros malin. Oh la vache. Bien. Nous devons avancer. Ok. D'accord, donc là c'est la suite. Je vais checker un peu à gauche à droite quand même. Ah. Pour ça, plus de magie que ce qu'on a sur nous. Ok, donc on peut pas pour l'instant. Dommage. J'ai l'impression que partout où on va, on peut rien faire. Faudra obligatoirement y retourner quand on aura de nouveaux sorts apparemment ou une nouvelle magie, je sais pas. Mon sort, je le sens qui m'échappe.
Ah ben ça, c'est Fimbulwetter. Non, tu ne comprends pas, je vais disparaître du royaume. Que peut-on faire ? Une chose que j'espérais éviter. Ok. Ben, il faut. Je n'ai plus vraiment le choix. Falky ! Allons-y. Tu pouvais contourner le sort d'Odin depuis le début ? Non, je l'ai découvert quand vous avez ouvert le passage entre les royaumes. Et ce n'est pas une solution. Cette forme est extrêmement contraignante. Ah ben ça, c'est Fimbul. Arrête. Allez, ferme la souris, bordel. Let's go. Quoi ? Qu'est-ce donc ? Ok, je peux rien faire. Il y a de la chance. Ok. Bordel ! Attention aux plantes. Elles sont très agressives avec cette humidité. Ok, ok. Des petites plantes explosives, il manquait plus que cela. Oh ! Ouais, parce que ça, ça retire pas mal de vie. J'aimerais bien retrouver un vendeur, là. Sindri, mon ref. Je reconnais ce marché. C'était un lieu de rencontre et d'échange pour les villageois. Pourquoi ne l'ont-ils pas reconstruit ? Quoi ? Déjà Dead... Dead comme Red Dead ? Hé ! Par ici, les coprolites ! Oh ça, le morpion ! Bien joué ! Ok... Ouh ! Ben ça, ça vous relance le palpitant ! J'avais oublié à quel point j'aimais la castagne. Où ont-ils bien tous pu passer ? Ils ont dû se retirer. Se cacher dans les bois, après avoir couvert leurs traces avec la magie. Impossible de savoir combien ils sont, ni comment les retrouver. Les âges n'ont pas fait de la dentelle ici, hein ? C'est grâce à notre cher... Déclarer la guerre aux vannes n'a jamais été mon idée. Moi, je voulais négocier un mariage pour y mettre fin. Et quel succès ! Bien évidemment, la paix a été tout aussi désastreuse que le mariage. A-t-il lancé une nouvelle invasion, juste après m'avoir exilé ? Eh ben voilà, un petit secret, ça me plaît, ça. Ça me plaît. J'ai cru voir un coffre derrière, si je ne m'abuse. Je ne m'abuse. Super. Beaucoup d'argent. J'ai même presque l'impression d'avoir trop d'argent. Ok. J'ai l'impression d'avoir beaucoup trop d'argent et de pas savoir quoi en faire, les gars, c'est horrible. C'est horrible, le chat. Avec l'XP, après, on pourra améliorer pas mal de trucs, en vrai. Oh, salopard. Oh, salopard. Non, mais c'est pas possible. Ok. Tout ça pour ce coffre. Un marché, hein. Bois de pierre. Non, ils en ont laissé des bricoles. C'est dommage que ça prenne la poussière. C'est une façon de voir les choses. Ok. Et donc... I don't understand. Ok, y'a rien qui est tombé, c'est bizarre. Rien n'est tombé, les gars, ça valait peut-être pas le coup de descendre. S'il y a rien dedans. Vas-y. Y'a forcément un truc, non? Oh non, c'était une feinte. Oh les bâtards! Je pensais que c'était obligatoire que quelque chose tombe. Mais pas du tout. What a brave. Oh les bâtards, je pensais que c'était obligé. Oh, mais quelle tristesse. On doit refaire le tour, c'est terrible. Oh, vous avez vu le coffre? Est-ce que vous avez vu le coffre? Parce que moi je l'ai vu, je vous le dis, hein. Ok. Ok, là on n'a pas de plantes. Très bien. Je suis sûr que t'as raté du bizarre. Tu devrais jeter un autre coup d'œil dans le coin. Oh non, salaud.
Oh non, salaud. Les gars, s'il dit ça, c'est que ça doit être vraiment important. Attendez, j'essaye de... Oh le salaud. J'ai pas l'impression d'avoir loupé quoi que ce soit. C'est très embêtant. C'est très embêtant. C'est pas grave. J'ai pas l'impression d'avoir loupé quoi que ce soit. On reviendra hein, si vraiment c'était très important, mais enfin. Parce que là je vois qu'il y a un coffre là, peut-être il parle de ça. Même si je doute. Ah montre-moi ce que t'as. Ah, c'est pas vrai. Ça va faire un rebond. Allez. Ok. Merci. Merci, au revoir. Si ça fait remonter des souvenirs de ton mariage, les gens bien sapés, la bouffe de premier choix. Mais ça rappelle aussi le scandale que nous avait fait ton frère. Pourquoi faut-il que tu l'évoques sans cesse? Laisse mon frère là où il est. Est-ce que c'est bien compris? Oh, je comprends parfaitement. Let's go! Let's go! La régalade! Faire forger acier nain. Et évidemment, comprends, quand c'est dans des gros coffres comme ça, c'est que c'est rare. Et quand c'est rare, j'aime bien! Ok. Oh, continue! Alors, biba biba boum. Ok. Ok. Ouais. Bon. Allez, viens par ici, Simri. On va passer par où là? Plus nous avancerons, plus la flore sera hostile. J'espère que tu es prêt, nain. Écoute, les fratries foireux, c'est mon rayon. Sindri et moi, on a été tellement longtemps sans se lever que c'était comme si j'avais plus de frères. Bon, c'était un peu de ma faute. Ah! Mais ça m'a pas empêché de rejeter la faute sur lui, okay, la plupart okay. du temps. Ça te rappelle bien. Et où veux-tu en venir? L'important, c'est qu'au bout du compte, c'était pas la fin du monde. On a fini par arrêter nos gamineries, et c'était comme s'il ne s'était jamais rien passé. Il est tout de suite redevenu le boulet que j'avais toujours connu. C'est ça, d'accord. La famille. Mais faut faire avec. Que ça vous plaise ou que ça vous rende marteau. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin d'entendre cela maintenant? Tout ce que je veux, c'est retrouver ma liberté. Et je ne compte pas me laisser distraire. Écoute, tout ce que je veux dire, c'est que si tu finissais ta porte, frère, votre pire conversation serait peut-être pas nécessairement votre dernière. Assez. Le jour où je me tiendrai à nouveau devant Frayeur, c'est que je marcherai et que je serai libre, c'est compris? Et pas tant que je serai coincé dans cet état ridicule. Tu tiens ta fierté, je comprends. J'espère que ça te passera plus rapidement qu'à moi. Très touchant, cette histoire. Ferme-la, jamais. Ah. Ah, ok. Et ben voilà. Let's go. Allez. Un gros coffre, ça me plaît. Vous pensez que c'est... Je pense que normalement c'est une pomme.
On s'était arrêté à une pomme, il m'en fallait encore deux. Ah non, c'est la corne, donc la rage. Deux sur trois, très bien, je prends. Comment Odin s'y est-il pris pour les faire fuir? Quelles armes a-t-il demandé aux nains de lui forger? Quelle part de dégâts revient à Mjolnir? Un seul homme peut-il en faire autant? Tout dépend de l'arme et de l'homme. Ok. Ça en prend. J'ai hâte de croiser un petit marché là, voir dans quoi on peut s'équiper, parce que bordel. Ça, j'ai toujours pas la magie nécessaire. Pas maintenant, mon frère, on a de la compagnie. Oh, une de ces saloperies poilues. Ok. Ouais, toi, frappe. Un de ces petits copains, là, préparez-vous. Ok, bien joué. Waouh. C'est bon les gars. C'est bon frérot, j'ai assez donné. Attention derrière. Oh là là. Oh merde. Ça va me filer des combats. Ok. Je vais t'arracher les membres et revendre tout ça à bien joué. Ça va péter. Oh non. Lâchez-moi, monsieur. C'était une blague. Ok. Trop vif, mais je te détruis quand même, hein. Je te casse la gueule, hein, faut le savoir. La vache, c'était tendu, hein. Tendu du cul, si je peux me permettre cette expression. Ça, on peut toujours rien faire. Hein? Pour l'instant, on peut rien en faire. Ok, nickel. Merci, les gars. Superbe, ça fait plaisir. Ok, on a un coffre là-haut. Ouais, on a rien d'autre. Tiens. Il regorgeait autrefois de bateaux en provenance de... Let's go! Bah vous voyez, il suffit d'avoir un petit œil toujours derrière. Eh, ça tombe, hein. Super. T'as trouvé quoi? Je suis sûr que ça brille. Cuir brut, métal travaillé, ça peut briller. C'est confirmé, c'est autorisé par la VAR. Ok, on va où? Ça, j'ai toujours pas le pouvoir. Ça non plus, malheureusement. On peut que continuer. Let's go. J'espère que le bois est pas trop long. Je suis pas fan de nuit dans un bois comme ça. C'est très beau à regarder, mais je suis pas fan de cet environnement là. C'est bon, vas-y. Wesh quoi? Le balèze. Ton peuple ne reçoit plus de visiteurs. Je l'ignore. Ce n'est plus mon peuple à présent. Ok. Allez, on monte. Vous êtes bien content que Grog soit là pour... Merde, hein. Nous devrions sans doute aller le chercher. Sois sur tes gardes. Il fait chier ce con. Vraiment là, je dois m'accrocher. Oh putain. Quelle angoisse. Et tu t'es fait embarquer par quoi, mon ref? Une tentacles? Bizarre. Ah, c'est un piège, hein, pour attirer les dieux de la guerre comme moi, je pense. Silence. Tiens, qu'avons-nous là?
Le vieux borgne envoie un autre dieu faire le sale boulot? Thor est occupé. Nous ne servons pas Odin. Non? C'est pas exactement l'endroit pour flâner. Je me trompe? Oh, franchement, garde tes menaces, mon frère. Oh, je connais cette voix. Tu sais, je te couperais bien la tête. Mais on dirait que j'arrive trop tard. Ah, tu es perspicace, mon frère. Non. Non, je suis pas ton frère. Tu as vendu ma sœur à ce... chien. Pour avoir la paix. Oh, tu y crois? Où est-elle? Et où se trouve ma sœur? Dans un donjon d'Asgard? Est-elle au moins en vie? Réponds-moi. Dans ce cas, le sang va couler. Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette chose à sa voix? C'est moi, Yngvi. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Écoute-moi. Ces hommes sont à mon service. Je suis là pour reprendre ce qu'on m'a enlevé. C'est trop tard. On ne peut défaire ce qui est fait. Je le peux. Crois-moi. Allez, laisse-les passer. Donc, vous servez ma sœur? Comme nous tous. Détache-le. Région découverte. Le camp de Frey. Alors... C'est comme ça qu'on traite ses vieux copains, vieille carne. Oh, tais-toi, blabeur. Allez. Allez, on va s'arrêter bon. Là. J'ai trouvé ce que je cherchais. Je crois que je vais rester tailler le bout de gras. Oh, ben voyons. Comme n'oubliez pas le gemme et le comment faire. Frère, si tu veux bien, j'aimerais m'entretenir avec le seigneur Freyer. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. L'heure des contes, parler à Freyer. Bisous tout le monde. Bye bye.